Salut à tous, c'est Albert Alexis, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de Bidouille. Alors pourquoi Bidouille Parce que moi j'ai une carte mère qui date un peu, donc en socket LGA 775, et j'avais voulu, on va dire, en monter en gamme, bon, ça faisait à peu près maintenant deux ans que j'avais mis un Core 2 Duo e 400, donc c'est un deux cœurs à 3 gigas. Et par rapport à ma carte mère, je peux mettre, on va dire, des corps de quad, un, un par exemple, un Q 9650, etc. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir à peu près euh, des performances, on va dire, similaires avec euh, des processeurs Zéon. Euh, vous allez me dire, what Mais des processeurs Xeon, c'est plutôt euh, prévu pour euh, des serveurs. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Donc là, j'avais un E8400, donc c'était deux cœurs à 3 gigas donc 6 mégas en cache L2 vitesse de bus 1333 MHz en FSB et là si je voulais on va dire monter vraiment un GAN, au maxi de ma carte mère c'est pouvait supporter il faudrait que je prenne un Q 9650 donc il reste toujours ça fera un 4 cœurs à 3 gigas et 12 mégas on va dire en cache L2 et à peu près ce sera simplement on va dire de PDT qui effectivement allait consommer plus et pour le reste c'est pas vraiment on va dire de, de différence sauf par rapport à la taille de la matrice que j'ai doublée et aussi au nombre de matrices transistors puisque je suis passé à ce moment-là de deux cœurs à quatre cœurs. Mais si je regarde sur le bon coin un Q par exemple un Q 9650, eh ben ça tourne autour des 50 euros. 40, 60 euros, plus ou moins plus, selon, on va dire, euh, l'état du CPU, quoi. Parfois, vous voyez, par exemple, il y en a qui montent jusqu'à 80 euros pour un CPU. Et moi, moi, ce que j'ai fait, j'ai découvert que dernièrement, il y avait cette possibilité. Donc, dommage que j'ai pas su euh, deux ans plus tôt, parce qu'à ce moment-là, je voudrais même pas acheter un, un E8400. Je serais simplement, euh, passé, on va dire, directement, un, un processeur euh, Xeon, donc moi, vous voyez bien que c'est écrit euh, serveur ici, donc moi j'ai pris un, un E5450 donc c'est un 4 coeurs qui tourne à 3 gigas et qui a 12 mégas en cache L2, donc en PDT, donc il y a 80 watts et il est en LGA 771 donc là, ça fait à peu près un mois que je l'ai et que ça fait à peu près maintenant, on va dire deux semaines que j'ai changé, on va dire, le, le radiateur d'origine Intel qui avait sur le e 400. parce qu'en fait, il n'était pas vraiment, on va dire, euh, performant pour pouvoir, on va dire, euh, évacuer, on va dire, les 80 watts du, euh, e, du Zéon E5450. Et depuis, j'ai mis, on va dire... Un radiateur, on va dire, beaucoup plus gros. Et maintenant, lorsque j'enregistre cette vidéo de CPU à 46 degrés, alors qu'il me semble, la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai faite, ça montait dans les 58 euh, degrés. Alors, comment c'est possible de mettre un, un CPU, donc un processeur qui est prévu pour serveur, sur une machine desktop et bien, ça, j'ai découvert ça dernièrement sur le forum hardware.fr. Donc là, ils expliquent euh, ce mode consiste à utiliser un processeur ZEON socket LGA771, de préférence un quad-core embarquant 12 MO de mémoire cache L2, sur un socket LGA775 de carte mère destinée au grand public. Et là, ils vont expliquer sur le topic comment faire, et si vous voulez euh, l'overcooker plus tard. Donc moi, c'est simplement, je vais rester sur cette machine euh, à une utilisation basique, c'est-à-dire regarder mémé, chercher de l'information, et peut-être une ou deux, trois vidéos à droite et à gauche, un petit montage vidéo, comme je fais en ce moment. Et quelques retouches, on va dire, euh, photos simples, rien de vraiment professionnel sur cette machine, rien qui demande vraiment une grosse... Euh, puissance de calcul quoi donc euh, la seule limitation que je peux dire maintenant que je peux avoir c'est quand je commençais à regarder euh, des vidéos sur YouTube qui sont en 700 en 700 en 720p à 60 fps ou en 1080p à 60 fps ouais c'est c'est 60 fps qui va plus, qui va plutôt on va dire me déranger surtout si je mets ça en plein écran mais si je reste en 720p classique ou en 1080p classique il euh, n'y a pas de souci. Donc là, on va descendre. Donc là, c'est le, euh, le premier lien qui nous est euh, donné. Donc ici, je dirais que c'est là où tout a commencé. Donc ils ont vu qu'il y avait une petite différence entre les sockets 775 et les sockets 771. Donc là, je vais vous laisser lire tranquillement à votre convenance. Donc là, je mettrai tous ces liens. On va dire dans le descriptif de la vidéo. L'autre lien qui avait, qui avait après, donc euh, c'était sur le, le Wikipédia concernant les, tout ce qui est Arpertone. Donc harperton, donc c'est Intel un processeur quad-core pour serveur appartenant à la famille euh, Penrin. Tous les processeurs harperton sont dans la gamme Xeon. Donc la gamme zéon, vous avez des ions en x54 quelque chose, en e54 quelque chose ou en l54 quelque chose. Donc on va revenir sur cette page simplement pour vous dire que tout ce qui concerne la série, donc on, on distingue la série L qui est entre 40 et 50 watts, la série E en 80 watts et la série x en 120 watts. Donc moi j'ai pris simplement un E5450 euh, donc c'est un 4 coeurs à 3 à 3 gigas donc j'ai pas voulu prendre euh, un X5450 de toute manière vous verrez que un X5450 va coûter beaucoup plus cher parce qu'un E5450 parce qu'il va consommer beaucoup plus donc l'idéal pour moi euh, serait de trouver mais bon ça se fait pas un L5450 qui aurait été, on va dire, un 4 coeurs, on va dire, à, à 3Go et qui aurait consommé, on va dire, dans, autour de 50W, ça, ça m'aurait pu. Mais bon, ça ne se fait pas. Donc, euh, à savoir le mien, je l'ai payé, on va dire, 15 euros frais de port in, on va dire, sur le, le site d'Aliexpress sans leur faire de pub. Ou oh, après, vous pouvez chercher sur d'autres sites comme euh, euh, eBay ou sur Le Bon Coin, mais sur Le Bon Coin, il faudra encore euh, compter, on va dire... Euh, 10 euros en plus quoi par rapport au prix euh, classique. Donc en continuant sur le site euh, euh, hardware.fr, donc la troisième partie va concerner à ce moment euh, tout ce qui est euh, BIOS modifié pour votre carte mère. Parce que si comme moi vous mettez directement après, on va dire, le Zéon dans votre euh, dans votre carte mère, même si qu'il est reconnu avec, on va dire, le dernier BIOS de votre carte mère qui est à jour, eh ben, ça va vous dire que le Z1, il va pas consommer, il va pas consommer, il va pas du moins fonctionner à 100% de ses capacités. Donc là, vous allez mettre, on va dire, un BIOS modé pour qu'il puisse fonctionner, je dirais, à 100% de ses capacités. Donc ça, c'est sur ce site. J'ai choisir en fonction de la marque de votre carte mère et après en fonction du modèle donc après c'est tout ce qu'on y déjà fait on va dire les modifications sur la machine donc sur cette autre site là on retrouve par exemple euh, donc est-ce que j'ai déjà mis par rapport à ma carte mère donc c'est une Asus donc j'essaie de trouver euh, le modèle par exemple certains modèles vont vous dire que s'ils ont mis par exemple un L5410 sur, sur ce modèle, eh bien que ça n'a pas fonctionné. Donc euh, je vais descendre. Alors euh, où est mon modèle Voilà. Donc là c'est mon modèle de, de carte mère, donc une Asus 5 p 5 SAI. Donc ils disent que par exemple. Ça fonctionne avec un X5450. Ça vous dit aussi que ça peut, ça fonctionne avec un Q6700. Donc, les trucs de, d'origine, je peux m'exprimer ainsi. Un, Q, un QX6850 et qui est pas officiel, mais ça fonctionne aussi avec un Q9650. Et là, ce sont, on va dire, des sockets qui sont en LGA euh, 775. Donc une fois que vous avez fait euh, mis votre processeur et mis euh, à jour le, le BIOS, eh ben vous partez à ce moment-là pour une nouvelle, on va dire, installation. Je peux m'exprimer ainsi quoi. Donc là, c'était au début, on va dire, en 2014, il fallait, on va dire, couper ces petites pattes. Je peux m'exprimer au scalpel euh, par rapport à votre à votre carte mère. Donc il y avait un risque soit de vous blesser ou d'abîmer, on va dire, les pins qui sont à côté, ou si vraiment euh, faire ça, c'était pas de votre... Euh, c'était pas trop débrouillard à ce moment-là, ou si vous aviez deux mains gauches, eh bien, il fallait avoir quelqu'un qui, euh, qui le fasse à votre place. Mais de nos jours, on va dire que maintenant, ils vendent des euh, processeurs Zéon comme moi je l'ai acheté, directement euh, modifié Donc moi, j'ai pas à couper, on va dire, euh, ces petites pattes sur euh, ma carte mère. Donc avant, il fallait faire ça, quand je dis avant, c'était parce que le forum a commencé euh, depuis le sujet depuis euh, avril 2014. Donc fallait euh, mettre, euh, couper les petites pattes, rajouter, si je peux m'exprimer ainsi, ce petit, euh, ce petit adaptateur. Voilà, et faire, et faire bien attention et remettre en place. Maintenant, tout ça, c'est vendu le processeur déjà modé. Donc vous allez simplement acheter le processeur, le mettre en place et à mettre à jour le BIOS parce que sinon on continue donc il y a déjà 338 pages 338 pages qui nous ramènent à l'année 2018 donc ça fait 4 ans je dirais que le sujet dure, donc je vois que ça passionne euh, ça passionne du monde et le dernier a été posté le 16 février 2018 donc moi j'ai eu on va dire euh, au lieu d'acheter par exemple, si je prends le premier prix ici. C'est pas le premier prix, mais à 66 euros ou moins cher, ou même à 40 euros. Donc moi, je vais acheter, on va dire le le zéon, à, on va dire en grosso modo 15 euros. Ben, je suis satisfait, je peux m'exprimer ainsi de, de mon achat. Donc là, je vais fermer et je vais simplement vous montrer donc le moniteur système. Donc là, qu'on retrouve les quatre coeurs. Donc là, on retrouve bien Intel Xeon euh, CPU E5450. Et si je prends à ce moment INXI pour euh, ma machine. Donc j'ai bien une Asus P5 NESI et qui est normalement en socket SGA775. Et dessus, j'ai un Xeon E5450 qui était prévu pour un LGA. 771 donc sur ce je ne serai pas plus long c'était simplement pour vous montrer qu'il existe encore cette bidouille donc s'il vous reste par exemple une vieille carte mère en LGA 775 et que vous voulez faire une petite expérimentation dessus un bain, c'est possible donc sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye